Tu es l'une des plus belles voix. Merci, monsieur Adam. Tu es l'une des plus belles voix. Mais... ton voisin t'a déconnecté peut-être. Donc toi, depuis que tu es entré en Côte d'Ivoire, ça fait 8 ans, tu cherches un producteur, tu ne trouves pas. C'est ce qui te freine. Non, pas que je cherche un producteur, mais en fait, j'étais un peu plus occupé par certaines choses. Ben voilà, ces choses qu'on fait que ta carrière est éteinte. Il faut nous expliquer ça. On va voir si c'est raisonnable ou pas. Parce que depuis on parle, j'étais bloqué par certaines choses. C'est quoi ces choses-là? Peut-être qu'il y a des gens qui vont appeler pour t'aider, pour te relever. On ne sait jamais. Il y a déjà une personne qui est là, qui m'aide déjà. Depuis 8 ans, là, la personne fait quoi? Non, la personne, je suis rentré en studio, je travaille à tout. Mais tu penses que là où tu es là, tu as toujours la motivation de chanter? Très bien. Et puis ma voix est devenue encore plus suave qu'avant. Ouais, mais depuis 8 ans, tu dors. Tu sais pourquoi je m'attarde? Non, c'est devenu plus suave. Non, tu sais pourquoi je m'attarde sur les 8 ans là? Pour moi, tu es entré, ça fait 2 mois, 3 mois, tu es entré, tu es connecté. Non. Mais depuis 8 ans, tu es entré. Je suis là, ça fait 8 ans. Mais l'argent que tu as eu dans tes tournées là, tu n'as pas eu d'économie toi-même pour tes produits? Non, tu sais, l'industrie musicale aujourd'hui, attends, tu finis de faire un son au studio, peut-être à 500 000. Mm. Tu dois, faire une vidéo. Oui. Tu dois ensuite faire la promo. Oui. Je ne dirais pas, aujourd'hui, sur les chaînes de télé, il y a des packages qui sont là par rapport à la promo. Une promo. Non, là où tu es, tu n'as rien. Non, je n'ai pas dit que j'ai rien. Mais non, en fait, côté finance, quoi. En fait, c'est un business. Tu comprends, c'est un business. Certains sont arrivés à un niveau où ils peuvent se produire. Moi, je suis à un niveau où je peux peut-être faire les préliminaires. Mm-hmm. Voilà, donc je ne peux pas me lancer comme mais ça. Mais aujourd'hui, Arenzo, quand toi-même tu t'assois là, puis tu iras tes clips de 2020, 2001, puis tu iras les clips d'aujourd'hui là, tu n'es pas gêné? Non, autant arrêter la musique, pas, hein? Non, pas gêné. Quand tu iras ton clip, arrête, façon vous portez les pantalons Badef de Badef là. Ça. et Eliel, le groupe, comment on appelle? Ouais. Eliel. Chrétien, là, oui. Quand tu regardes le clip, de toute façon, toi, les gars sont habillés. C'est du passé, mais quand tu regardes le clip d'actualité aujourd'hui, oui. Mais il te faut de l'effort ou carrément arrêter la musique. Non, je ne suis pas prêt à arrêter la musique parce que j'ai mon mot à dire dans cette musique ivoirienne. Donc aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu peux ramener musicalement à la Côte d'Ivoire et la nouvelle génération des DJ? La nouvelle génération des DJ, bon, ils ont leur manière de chanter. En fait, moi, c'est plutôt le naturel. Mais est-ce que c'est naturel, là, avec la nouvelle tendance, là, ça peut payer encore? Ça va payer. En fait, faut savoir choisir son registre. Je veux dire quoi? Trouve-toi un bon beat où tu peux t'exprimer. Quand le beat est bien bon et que la pose de la voix est bien ordonnée, je pense que les gens vont écouter. Mais tu sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont toujours amoureux. Les femmes sont toujours amoureuses, il y a les hommes qui sont toujours... Les femmes sont toujours amoureuses, il y a les gens qui sont toujours amoureux. C'est pas mieux, tu vas retourner dans R&B solo classique. Parce que de toute façon, tu es calme là, c'est comme ça souvent. Non, en fait, je t'ai dit. Ah, dis-moi. J'ai un morceau, pas Zouk, mais un morceau pour la femme, sur mon prochain album. Moi, je te conseille de retourner dans R&B. Il y a plus en Côte d'Ivoire. Non, là, juste un morceau R&B, mais pas R&B, pas chanter R&B. En featuring, tu es très bon. Mais en carrière solo, ça ne décolle pas. C'est quoi le problème? Non. Ça fait 8 ans que tu es entré. Non, je te promets. Tu commences ta carrière en quelle année? Ma carrière de DJ, en tant que DJ ou quoi? Oui, c'est ça, tu commences. En tant que DJ, ça c'est 2002. Ouais, depuis 2002 jusqu'à 2022, là, tu n'as pas encore fait un son toi seul qui a décollé. Mais quand c'est featuring, ça explose. Oui. Tu ne te poses pas une question, c'est dû à quoi? Bon, en fait, je veux dire par là que... J'étais pas trop sérieux dans mon travail, mais maintenant je suis... Voilà, faut nous dire la vérité. Je me suis bien ordonné. Je n'étais pas bien concentré. Non, il dit qu'il n'était pas sérieux. Parce qu'il y avait trop de choses, il fallait aller ici... Non. Comme... Il avait les femmes... Non, pas l'alcool. Non. Mais ton argent partait dans quoi? Mon argent... Dans la famille. Il a dit qu'il avait une grande famille à charge, en fait. Mais quand on a une grande famille, on ne peut pas avancer dans sa carrière. C'est ce que vous me faites savoir. Non, c'est quand on n'a pas de famille à s'occuper, forcément. Ah, Eva! J'étais dispersé dans beaucoup d'activités. Bon, d'accord. En tout cas, Arenzo DJ est là. Alors, sa voix est toujours là.